Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, juste avant d'offrir ce petit radio réveil à un ami pour son anniversaire, je vais vous faire le déballage, je vais vous le présenter car il a quelques petites particularités très intéressantes. Je l'ai acheté sur Amazon pour une trentaine d'euros. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous plaît. Mais vraiment, ce petit radio réveil à quelques petites options très sympas et c'est dans cette vidéo que je vais vous les montrer. Allez donc, on va tout de suite passer au déballage de ce radio réveil. C'est parti! Alors, c'est un radio réveil numérique avec des gros caractères et un écran LCD de 3,2 pouces. Alors c'est assez conséquent, c'est quand même un bel écran, vous allez le voir dans cette vidéo. Et en plus, donc ce radio réveil est muni d'une double alarme, ce qui permet de vous réveiller tout en douceur. Et en plus, comme vous pouvez voir, ce radio réveil ne possède, si on le désire, aucun câble. Ce qui veut dire que ce radio réveil peut être complètement portable et peut être transporté partout, en vacances par exemple. Vous pouvez bien sûr utiliser un câble. D'ailleurs, le câble livré avec ce radio réveil, c'est donc un câble micro USB d'un côté et USB de l'autre. Alors, ce radio réveil, donc comme je vous ai dit, est numérique. On a une petite molette et cinq possibilités de réglage en luminosité. Ici, je vous mets en très gros sur l'écran les caractères. Alors, les caractères, on est sur des caractères un peu plus de 3,5 mm de haut. Alors, c'est des caractères très gros. Je vous ai dit donc deux possibilités d'alarme. Un de ses gros avantages et que j'ai trouvé vraiment sympathique pour un radio réveil, c'est qu'il possède un thermomètre intérieur. Ce qui veut dire que le soir, avant de vous coucher, ou dans la journée, vous allez pouvoir, grâce à ce thermomètre, savoir combien il fait, combien la température de votre chambre, combien il fait de degrés dans votre chambre, grâce à ce thermomètre interne que possède ce petit radio réveil. C'est vraiment génial et franchement, pour le prix, ce petit radio réveil a pas mal d'options encore. On va continuer sur les différents détails de ce radio réveil. Derrière ce radio réveil, ce qu'on remarque, c'est qu'il possède deux prises USB. C'est assez exceptionnel puisque ce radio réveil va pouvoir charger votre téléphone ou votre tablette en toute sécurité. Ça, c'est super. Ces deux ports USB vont vous permettre de charger le soir et d'avoir près de vous votre smartphone ou votre tablette. Ça, c'est vraiment un des très gros points qui m'a fait balancer à acheter ce radio réveil parce que là, mon copain va être super content. D'ailleurs, ici, au niveau du réglage de la luminosité, même en plein jour, les chiffres sont vraiment correctement bien vus de par leur taille et de par la luminosité donnée par ce radio réveil. Alors, bien sûr, c'est un radio réveil qui est donc FM et stéréo. En partant sur le dessus de l'appareil, on peut voir donc un gros bouton pour changer donc les stations. Ce bouton, lorsqu'on appuie dessus, nous transmet donc les informations de l'heure, la température de la pièce et la date du jour. On a donc trois boutons pour lancer la radio, par exemple. On a la petite antenne qui est juste fixée sous le radio réveil. Voilà, donc juste sur le dessus, on a donc le gros bouton pour rechercher les différentes stations. À la gauche, on a donc trois boutons qui vont permettre le réglage du réveil. Et juste derrière, on a une petite molette qui va permettre de régler le volume. Alors c'est un très bel appareil qui peut marcher sous secteur ou sinon
On va arrêter déjà la radio. Ce radio réveil va pouvoir être soit branché directement au secteur, ou vous allez avoir la possibilité de lui mettre donc 3 piles LR2 qui va donc le faire fonctionner en toute autonomie. Et ça, c'est super génial, puisque si vous partez en vacances, vous n'avez pas le câble, vous mettez vos 3 piles, ou vous avez envie d'écouter la radio dans le train, en transport, vous allez pouvoir donc écouter la radio sans problème avec ce radio réveil grâce à la possibilité de lui insérer des piles. On va se concentrer côté branchement. Donc comme je vous ai dit, on peut donc mettre le câble micro USB qui est livré donc avec. Le chargeur mural n'est pas livré, mais si vous avez un chargeur mural, vous pouvez brancher la prise à votre chargeur mural. Vous pouvez aussi voir juste à côté, on peut observer une petite prise jack. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir brancher votre tablette, votre ordinateur, votre smartphone sans problème et vous servir de votre petit radio réveil comme enceinte portative. Ça, c'est super génial. Et en plus, vous aurez la possibilité d'avoir la radio et d'avoir votre réveil matin. Donc, c'est vraiment un radio réveil multitâche. D'autant plus qu'il donne, comme je vous ai dit, la température de la pièce, puisqu'il possède un thermomètre intérieur. C'est vraiment un très bel objet. Pour 30 euros, j'ai vraiment trouvé ce radio réveil super sympathique à offrir pour un petit anniversaire à mon collègue. Ce radio réveil vous servira d'haut-parleur externe. Ça, c'est vraiment un plus qui m'a aussi donné envie de l'acheter. Je vous remets en très gros sur l'écran pour que vous puissiez voir au niveau de la température, au niveau des chiffres. J'espère que vous allez voir correctement l'écran. C'est 10. Voilà pourquoi j'avais vraiment envie de vous le présenter. Il est vraiment super sympathique, ce radio réveil, à tout niveau, avec toutes ses options. Vous pouvez donc enregistrer jusqu'à 20 stations. Et comme je vous disais, il a vraiment un très grand écran LCD, ce qui est vraiment pas négligeable. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la description le lien direct pour aller sur la page de ce petit radio réveil très pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné donc envie de vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et à m'encourager. Surtout, likez, partagez. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo sur un nouveau produit high-tech, tel un radio réveil, un smartphone, une tablette, un PC. Merci à vous et à bientôt. Salut !